Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, tout le monde. Ça va aussi, vous m'entendez? Moi, c'est pas moi, pas c'est pour Augustin. Donc, c'est bien arrivé. Voilà, juste un petit mot pour vous dire que la soirée continue et que donc les Rack Messengers, si j'arrive, vont jouer la deuxième partie de la soirée. J'espère que vous êtes régalés à la première partie. Ouais, c'était bien, hein, voilà. Mais vous verrez, la deuxième partie, dans un genre un peu différent, c'est super. Merci.
Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va? Oh oui. Bon, tant mieux, nous aussi. On est très contents d'être là, dans ce cloître, pour partager un moment de musique avec vous. On est les Rag Messengers, on vient de Montpellier, et on va vous jouer du jazz des années 20, 30. Si on est en forme, on poussera peut-être jusqu'aux années 40, mais pas plus. Alors, ce premier morceau s'appelait Buddy Bolden Blues. Il a été composé par un très grand pianiste de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Jerry Rolfenton. Et on va continuer avec un morceau d'un de mes pianistes préférés. C'était un pianiste français qui s'appelait François Rilac. Et ce morceau s'appelle Supracon in Maracouche. Thank you.
Et maintenant, on va rester un petit peu du côté de la Nouvelle-Orléans, avec un des plus grands saxophonistes clarinettistes de l'histoire de cette musique, qui était aussi de Nouvelle-Orléans, et qui s'appelait Sidney Léger. Il a composé ce morceau qui s'appelle Moulin à café, avec dans le rôle de Sidney Léger, M. Ezekiel Sélaz. Thank you.
qui a été composé en 1914. C'était le tube de l'été de 1914. Et il s'appelle Blame It on the Blue. Blame It on the Blue. Un morceau d'un certain Monsieur Cook. Thank you.
Thank you.
Vous êtes sage. Voilà, maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, vous voulez que je commence par laquelle? La mauvaise? Bon, la mauvaise, c'est qu'on va vous jouer le dernier morceau de la soirée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un plein carton de disques à vendre à la sortie. Pour la même somme de 10 euros, vous pouvez vous emporter chez vous. Vous pouvez voir. Vous ne regrettez pas, la pochette est très belle, en plus, c'est mon papa qui l'a. C'était Ezekiel Sénada au saxophone à la table.
J'ai oublié de remercier aussi Jazz Club qui l'a accueilli comme des rois. Vous pouvez applaudir. Et on va terminer avec un très beau standard de jazz qui s'appelle Sweet Lord. Thank you.